Et je vous retrouve de bon matin dans la cuisine, en mode prête, mais en mode prête tranquillou. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis mon petit bas de jogging en polaire. Il y a Jessie qui dit « Ah, là, j'ai la caméra !» Mes cheveux, je ne suis pas coiffée, je me suis fait le petit chignon à Suisse TikTok. Tu veux dire bonjour? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de manger, toi? Je mange En fait, j'étais en train de faire quelques bricoles au studio, du coup, je découvre en même temps que vous. Bah vas-y, dis bonjour. 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 La bouche pleine. Et en fait, je me suis habillée vite fait comme ça. Ah, quand même, je vous montre. Chaussettes avec le petit bonhomme pain d'épices pour aller avec le cul. Bonhomme pain d'épices, oui chérie. Parce que je vais refaire mes ongles, voilà. Et je sais pas ce que je vais faire. Là, j'étais partie sur une manucure plutôt au rouge, à paillettes, un peu sombre parce que esprit Noël. Mais là, c'est une manucure que je vais avoir aussi pour les fêtes, pour le nouvel an et tout ça. Du coup, je pensais plus à peut-être, si je vais dire comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, champagne, doré, paillettes quoi, voilà. On verra. Oui, chérie. Oui, chérie, il faut laver les mains maintenant, t'en as partout. Oui, on va aller chercher. Du coup, eh ben, je vous montrerai ce que j'ai décidé de faire quand ce sera fait. Voilà, voilà. Je suis rentrée. Oui, maman, elle est revenue. Et j'ai fait les ongles. J'ai eu du mal à me décider. Elle avait reçu des paillettes. Toutes plus belles les unes que les autres. Donc après une réflexion très, très intense, j'ai opté pour du doré. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ouais. J'ai trouvé que c'était à la fois hyper joli, hyper subtil, simple, mais plein de paillettes. Comment tu trouves ça? Beau. C'est beau, hein? T'as vu? Oui. Oh, ça me plaît beaucoup. Pour Maya. Oui, c'est des paillettes pour mettre sur les ongles. Oui. Ça, non, pas encore. T'es trop petite. Encore, toi. Oui. Quand tu seras plus grande, d'accord, comme Jenna. Oui, parce que du coup, tu gardes comme ça. Quand tu seras grande comme ça, non, parce que oui, du coup c'est Jenna qui va faire ses ongles cet après-midi. Et maintenant que j'ai vu toutes ces paillettes et tout, j'ai hâte de voir ce qu'elle va choisir. Surprise, surprise. Mais tu vas voir, les paillettes elles sont magnifiques. Il y a plein de couleurs. Wow. Des couleurs de bleu. Oui, chérie. Des couleurs violettes, rouges. Donc plein de couleurs. Ouais. Coucou, petit bonhomme pain d'épices. Oui, t'es trop mignonne avec ce petit ensemble. C'est bientôt l'heure de manger? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'il fait papa ce midi? Papa, ça a des pâtes carbo. Des pâtes carbo, hein? Elle l'a trop bien dit. Excellent. Vanilla. Du parmesan, oui. C'est très important et ça a l'air très appétissant. Miam. Des pâtes carbo avec... Vanilla. Du parmesan. Allez. Oui, il y en a beaucoup. Il faut remuer, chérie, maintenant. Il y en a beaucoup pour moi. Beaucoup de parmesan pour Jessie parce qu'elle aime beaucoup le parmesan. Voilà. Bon appétit, madame. Bon appétit, maman. Bon appétit. Merci. Merci. Et comment les pâtes de papa? C'est trop beau, les pâtes de papa. Oui. Oh, bah oui, je vois ça. On a mangé deux fois. Oui. Deux fois. Oui. Elle va beaucoup grandir. Et puis ça se voit à la trogne que c'était trop bon. Oh, oui, c'est ce que quand je disais, ça partout. Se voit. Oh, oui, ouais. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon, pâté du baba. Oh, merci, mon cœur. Oh, et maintenant, on passe à une petite compote. Deuxième round. On parle pas trop fort parce que Jessie est encore à la sieste. Oui. Ce matin, c'était moi. Cet après-midi, c'était Jenna. Oh, je suis pas encore. J'ai pas enlevé. On vient juste de rentrer. Tu nous montres ce que tu as choisi de faire. C'est trop mignon. Il y a des petits flocons sur l'annulaire. C'est une French. Et, sinon, et sur l'annulaire, deux petits flocons avec une finition paillette. Blanche, parce que Jen se dit peut-être que ça fera venir la neige. Jen, je crois qu'elle a super envie de faire un bonhomme de neige dans le jardin. Mais oui, c'est mais rare vraiment, qu'il y a beaucoup de il neige. Il fait froid, mais il n'y a pas de neige. C'est quoi le concept en fait? S'il fait froid, il y a de la neige. Donc voilà, voilà. Niveau ongles, on est prêts pour les fêtes. Ça brille. Et les petits flocons, ils brillent aussi. Ils sont trop mignons. Oui, parce qu'en fait, il y a un peu de paillettes. Oh, c'est trop chaud. Du coup, on va attendre sagement que Jessie se réveille de la sieste. Ça y est, t'es réveillée. Est-ce que t'as fait un bon dodo? Oui. Oui? Tu sais ce qu'elle a fait, Jen, cet après-midi? Elle a fait les ongles aussi. Allez, va regarder ce qu'elle a fait. Tu vas nous dire si tu trouves ça joli.
C'est comme au téléphone de maman. C'est comme sur le téléphone de maman. Je t'ai déjà montré ça, moi. Je me souviens pas. Regarde de près, il y a un petit flocon. Il y a deux petits flocons. C'est beau. C'est pas même. C'est pas les mêmes que maman. Ah, c'est ça qu'elle dit. C'est pas les mêmes que maman. Jenna, elle a fait des petits flocons avec un petit peu de paillettes dessus. Oui. Tu aimes? Oui. C'est bon, c'est validé aussi. Merci. Trop chou. Allez, câlin, très serre. Et aujourd'hui, pour le goûter, Jen a attrapé des... Du muesli, pardon. Oui. My muesli au chocolat. C'est celui aux trois chocolats, c'est ça? Oui. Commencez. Super. Ah, moi, je me régale avec les porridge. Bon, j'ai déjà mangé des muesli aussi, je les aime beaucoup. Hein. Mais j'aime bien le côté chaud du porridge, c'est réconfortant et tout et tout. Bref, bon goûter. Et nous, on va goûter quoi du coup? On va goûter ça. Ok, d'accord. Merci. Clémentine. On va t'appeler Mademoiselle Clémentine, tellement t'aimes ça, dis donc. Oui. Mademoiselle Clémentine. Et du coup, ils font laisser à papa? Non. Comment ça, non? Et c'est vrai qu'on les a déjà bien. Ouais, ouais, il en reste 4 des Clémentines. 5 sur 2 kilos, ça fait pas grand chose. Et Sam se prépare un petit thé. Trésor délicat bio. C'est lequel celui-ci? Je crois que c'est citron et. Alors attends. Si c'est pas de ce côté, c'est pas ça. Non, il est là. Trésor délicat. Thé vert et citronnelle bio. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, chérie. Tu comptes drôlement bien. Et au passage, on remarquera la jolie tasse de Noël. Oui. On va se balader. Je suis pas ça, maman. Oui, t'as mis le bonnet de Noël. Regardez. Ah, t'as un look d'enfer, j'adore. Et tu sais ce qui est magique avec ce bonnet? Attends, bouge pas. Je crois que c'est sur le côté là. Il s'allume. Oh, t'es canon. Il y a plein de couleurs dessus. Il y a plein de couleurs. À vous, tu veux le même? Couleurs. Pas de soucis. J'en ai un autre. Vas-y, allume pour voir. Celui-là, c'est les guirlandes du sapin. Oh mince. Il a plus de piles, tu as échappé. T'as de la chance. Ah, oh, il te va trop bien, chérie. J'adore tes canons. Oui, celui-là, il y a des piles. Bon, on est venu faire un petit tour pour piocher des idées. Pour le Papa Noël? Oui. Nous n'en dirons pas plus. C'est ça. Du coup, on se balade, on regarde un petit peu. Au passage... J'adore ce canapé, je trouve la couleur, ça change tellement. Et pour l'avoir déjà testé, vas-y, assieds-toi. Tu peux t'allonger dessus tellement il est grand. Franchement, il est hyper large. Ouais, la forme est sympa, là c'est plus étroit en fait. Franchement, ça prend de la place, mais c'est canon. À vous, t'as plus envie de te lever là. Au revoir. Ah non, mais ce fauteuil là... 24 heures pour l'aligner. Mais tu peux dormir tout, hein. Tu peux vivre dans ce fauteuil tellement il est confortable, c'est un truc de fou. Bon, par contre, j'aime beaucoup cette couleur-là pour le modèle. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça change. Ouais. Jessie, elle teste. Ça va? T'es tranquille là? Oui, chérie. Il y a les chaises aussi que tu veux essayer? Vas-y. Oui. C'est mignon d'ailleurs ce petit ensemble de la table et les chaises comme ça. Bon, on n'est pas du tout venu pour regarder ça, hein, mais au passage, ça fait plaisir à Jessie a priori. Vas-y, on te regarde. Waouh! C'est bien là? T'es une grande fille. Attends, elle va tout essayer. Tu veux essayer quoi? Le lit? Le lit cabane? C'est chouette. Oh, ça, c'est pour les grands, ça, chérie. C'est un bureau, mais pour les plus grands que toi. Là, pour le coup, t'es un peu petite. Celui-là aussi, t'es un peu petite. Ouais. Ouais, c'est l'avantage, en fait. Et oui, c'est pour ça qu'on pensait à cette solution. Parce qu'effectivement, on ne tombe pas de haut. Et Jessie, elle a vraiment besoin d'un lit... Ah oui, ça y est, t'as trouvé.
Trop chou. J'adore les suspensions comme ça, genre ampoule. C'est trop, trop joli, je trouve ça classe. Et simple à la fois. Ils sont jolis ces verres. Ça change des verres traditionnels avec les petites rayures là. C'est une bonne idée aussi. Bah alors les filles, vous êtes bien toutes les trois là devant Shrek 3? Oui. Oh. Mais c'est comme ça qu'on les aime, ouais. Oui. C'est l'heure des calendriers. Calendrier, oui. Tu vas avec papa et Jenna? Allez. Et moi, je passe de ce côté. On est 19. Non. Déjà. Ah oui, j'ai su, recommence à tousser. Quel est l'intrus? Le phoque à capuchon, le phoque Beldon, le phoque barbu. Non, mais alors là, moi j'ai le malin gaucha, j'en sais rien. Je connais pas les différentes variétés. Beldon, et je veux du rosa. C'est ça. Oh, bravo! Ah là là, il est trop fort, mon papa. Bon, j'ai vu Jessie qui avait pris la petite. Oui, elle l'a pris. Ouais, elle a l'air de rien. Tranquillou. T'es coquille. C'est un petit Kinder? Oh, super. Petit chocolat. Petit chocolat. Elle est à taille. Oui. Oui, on les mange pas si vite que ça. Hein. Franchement, c'est vrai. Franchement, le pot est quasi au 3/4 rempli. Ouais. Bon, 2/3, 3/4. C'est pas facile. Non. Ça, c'est plus 2/3, 3/4 que la moitié, quand même. Une gaufrette. Oh, trop cool. Je crois qu'il y en a encore une dans le pot. Oui, on les a pas mangées. Eh, les gourmands se retiennent en fait. On veut partager. Ah, oh, deux, bah c'est bon, je pourrais en prendre une. Je peux en manger une. Mais donner un chocolat. Elle voudrait bien un autre chocolat. Une petite bille de chocolat. Il y en a deux à chaque fois dans la case. Merci. Qu'est-ce qu'on dit ? La boule. Merci. C'est une petite boule. Merci. Mais ça roule la boule. Elle pensait trop chocolat. Ah, noir, j'en ai mangé aujourd'hui. Ils sont bons, non ? Ouais. Franchement, ça va. C'est moins. Après, quand on aime l'original, le lait, quoi. Voilà. Oui, c'est bon. Moi, j'en ai mangé un chocolat blanc. C'était bon. C'est pas l'original. Ça, faut que je goûte. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas super. Arrêtez de mentir. Non. On a trouvé ça pas terrible. Arrêtez de. Ah, laissez-moi. Je sais que c'est trop bon. Non. Vraiment. Si. C'est fou ça, il n'y a pas de confiance. Lui, il ne croit pas. Ah, c'est dingue. Ah là là, c'est fou de t'avoir confiance en ses parents comme ça. Ça, c'est très très bon. Oui, ça, c'est très bon, je le sais. Non, mais voilà. Je les aime aussi, ceux-là, moi. Petit médaillon. Ah oui, c'est vrai. Allez, on passe au calendrier des infusions. À partager. Quel est le nom, le joli nom qu'il va avoir aujourd'hui? Cristal Givry. Il est à droite. Il est là. C'est fou, c'est ça. Menthe et bourgeon de bio. Ouais. Sympa le mélange pour le coup. Ça va être, très aromatique. Ouais. Ouais. Et rafraîchissant. On passe au. Oui, chérie. Vas-y, je te suis. Les cases numéro 19. Où sont-elles? J'en ai une là. Ok, bah commence par celle-là. C'est la dernière ligne droite. Ouais, il n'y a plus beaucoup de jours là. Eh oui. Ça passe vite. Ça passe vite. Hein. Au début, on se dit non, ça va. Oui, puis en fait, ça. Au plus on se rapproche et au plus on se dit oh, en fait, si. Un porridge avec. Je vois pas bien là du coup. Prune. Oh, c'est gentil. Non, je voulais dire que je comprenais pas trop ce qu'il y avait comme petit dessin. Prune. Et puis après, le reste, je découvrirai en le testant, je pense. Voilà. Mais ça a l'air très bon. Elle est pas dans un comme ça là. Non, il y a que la 21 ici. Au-dessus, il y en a. Regarde. On n'avait pas fait attention là. Excellent. Non, je les avais pas vus au-dessus. Je découvre. Oh.
C'est un porridge. Celui-là, il est vraiment plein de surprises, hein. Oh, tu ouvres silicone bag. Ça doit être encore pour conserver. Ouais, je pense. Ouais. Oh. Ou pour le transporter ou c'est. Ah, trop cool. Et ça se zip. Ouais. C'est chouette, hein. Ouais, oh, c'est chouette. C'est en plus, la couleur est sympa, franchement. Ouais, c'est hyper original. J'en avais pas. Donc c'est super. C'est super cool, hein. On continue. Patatrouille. Aïe, attention, il y a tous les jouets qui sont morts. Alors là, il y a tout, il y a de tout là. Jessie, viens, on va chercher la case 19. Ah là. Ah oui, je la voyais pas non plus. Une lanterne. Elle est trop belle. Oui. C'est pour faire de la lumière. C'est pour avoir de la lumière. Mais ça allume pas. J'en étais sûre. Ça s'allume pas. Alors, elle s'allume pas. C'est pas drôle. Sérieusement, ça s'allume pas. C'est quoi ce délire? On continue, chérie. Non, elle n'est pas cassée. C'est juste que c'est un jouet. C'est pour de faux, chérie. On va s'amuser. Playmobil. Oui. Allez. Oh là là. Oh oui. D'accord, il met où 7. Non, 19. Je sais ce que c'est. Oh oui. Par rapport à la forme des autocollants. Mm-hmm. Bon, je vais te laisser monter. Ah, moi aussi, je sais ce que c'est. Bah oui. Je reconnais. C'est des choses. C'est des choses, oui. C'est quoi, du coup, Jessie? C'est le traîneau du Papa Noël. C'est le traîneau du Papa Noël. Oui. Il est trop mignon. Regarde, Jenna a mis le Papa Noël dessus. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, on passe au calendrier, Wiltopia. Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui c'est qui ouvre? Tu veux que je t'aide? Non, c'est papa. C'est papa cette fois-ci. Chacun son tour. Oh, comment ça s'appelle ça? Ah, c'est un Fireworks. Oh, oui. Bravo. Je savais pas que si, si. Parce qu'on en a déjà on vu. On a déjà vu, ouais, on lui a montré. On continue? Le calendrier des grands? Oui. Oui. Allez, on attaque la dernière ligne, hein. Bon, alors apparemment, j'ai des infos qui sont remontées. On n'est pas les seuls qui avons découvert des doublons dans ce calendrier, mais pas forcément dans la même case. C'est ça, pas forcément au même numéro, ouais. T'as vu ce que c'était ou pas? Ouais. Bah non. Non, c'est pas le même. Ah. Non, pas deux fois quand même. Il était déguisé le Storm. Ah, version bonhomme de neige. Excellent. Dark, quand même. Ouais. On n'était pas loin. Mais sur le coup, j'ai un peu cru. Oui, je comprends. Il y avait quoi? Bon. Bah oui, mon amour, c'est ça. Alors, on va de l'autre côté pour aller ouvrir les calendriers. Beauté. Trop à l'aise. Ça y est. Et on se retrouve dans le studio pour ouvrir les cases numéro 19 déjà. Il n'y a plus grand chose là-dedans. Oh, c'est la marque Sephora. Et c'est un sérum super éclat. Éclat et tenseur. C'est pour retendre la peau. Aussi pour l'éclat. Hein, donne à maman. C'est aussi pour l'éclat. Hein, voilà. Non, moi je dis c'est à tester toutes les deux. Voilà, ouais. Pour le côté éclat et le côté tenseur. Super. Après, je serais tentée de dire, de toute façon, pour prendre soin de sa peau, il n'est jamais trop tôt pour commencer. C'est vrai, hein. Vaut mieux commencer tôt que trop tard. Vaut mieux hein. Prévenir qu'essayer de guérir. Sérieux. Ça sent comment, du coup? Oh, ça sent bon. Oh ouais, c'est agréable. J'étais à ça, franchement, de faire sentir à la caméra. On aimerait bien pouvoir partager avec vous les odeurs aussi. Je promets, quand je vois des gens là qui sentent des parfums, je suis en mode... Ouais, non, on peut pas. On peut qu'imaginer. Tiens, si tu veux. Sympa. Si tu veux l'essayer. Vraiment sympa. Ça donne quoi au niveau de l'effet? Cool, vraiment. Doux, très doux. Oh oui. Oh, c'est vraiment le genre de produit, ça pénètre directement dans la peau et à mon avis, ça laisse zéro résidu. On le sent pas? Non. Très sympa. Super. Vraiment, bon. Ouais. À tester, effectivement. On passe au calendrier Guino. Voilà. Pas plus grand chose non plus. Alors, bon, on a des pochons qui se sont vidés. C'est bon, toi, c'est dedans? Il t'est retourné quand même, je tiens à dire. Qu'est-ce donc? Bah, il veut pas sortir. Voilà. Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a les petits côtés qui se coincent dans le ouais, il y a dans l'ouverture. Sortir des fils.
Masque anti-rides revitalisant immédiat. Visage, peau dévitalisée. Du coup, je vais le garder, hein, parce que voilà. Voilà. On passe à celui-là. Petit calendrier, c'est pour moi. 19. Petite case. Je ne veux pas dire forcément un petit cadeau. Oh, oh. T'as lu mon œil? Oui. Ça sent les vacances. Oui, ben, c'est pas les vacances qui sentent trop de mon œil, celle-là. Hein. Celle-là sent plus la cannelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais c'est une crème de douche, mon œil, voilà. Oh, mon œil, ouais, c'est sympa. Moi, je dis, c'est bien pour faire voyager, justement, vu qu'il fait un peu froid. Alors, je dis un peu parce que depuis hier, il fait beaucoup moins froid que les jours précédents. Mais vraiment, genre là, je suis venue de la maison à ici, comme ça, en pull. Les jours d'avant, même pas en rêve, je mettais pas un pull. Non, les jours d'avant, même avec une veste, on avait froid. Mais c'est ça, on était en mode esquimau, quoi. Là, les températures sont remontées un peu, le vent est tombé, ça fait du bien et c'est un peu plus habituel pour nous, dans le coin, dans le sud. Là. Oh. Oh, c'est chouette, le contenant a l'air gros. 50 ml. C'est un gel douche agrumes et fleurs blanches. Attends, je montre. Ouais, non, mais agrumes, j'adore. C'est vrai que nous on aime bien tout ce qui est agrumes. En senteur. En fait, ça va être le bon. Après, on aime quand même beaucoup de choses en termes de senteur, de parfum. Ça, ouais, ça c'est le moment qu'on retient. Y arrive ou pas? C'est avec les ongles. 3 years later. Ah non, y'a Tu veux un coup de main? On sent. Ah ouais. Oh, ça sent bon, c'est doux. Du coup, t'as laissé tomber? Ah, grave. Bon, flacon 1, Gen 0. On passe au calendrier. Blissime. C'est pas moi qui nœud. T'as vu ce nœud? Hein? Voilà. Voilà, la bonne technique. Joli nœud. Tadam! 19. Je suis très curieuse à chaque fois de découvrir ce qu'il y a dans le calendrier Blissime. C'est de la marque Wild Science Lab. Je ne connais pas. Juice Boost Brightening Serum. Oh. Vitamine C plus Hyaluronic Acid. Alors, je veux bien que tu le montres de plus près, mais surtout que tu c'est le rose. Testes aussi. C'est rose. On aime bien ces pigments, ces girlies. Est-ce que du coup, vu qu'il est brightening, il y a genre un petit glow dedans ou non? Pas spécialement. Ça sentait bon, hein. Ça sentait très très bon. Ah oui, ça sent bon. Très agréable. Après, c'est vrai que moi, je suis sensible aux odeurs et j'ai énormément de plaisir quand l'odeur me plaît d'appliquer le produit. Grave. C'est un vrai moment à la fois, on chouchoute sa peau, quoi, mais à la fois, c'est un moment plaisir au niveau sensoriel, je dirais. C'est sympa. Ouh, par contre, c'est très liquide. Et il en faut très peu. Oh, peau toute douce. Peau toute douce. Vous avez vu? Il est retourné de l'autre côté. Très sympa, vraiment très très chouette. Encore de jolies découvertes dans ces cases numéro 19. D'être à la fin. Ouais. Je sens que tu vas le dire quasiment à chaque fois maintenant. On se rapproche vraiment vraiment de la fin. Mais ce n'est pas encore terminé. On vous réserve une petite surprise en plus pour le dernier Vlogmas. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Autant celle que vous aurez deviné parce qu'il me semble que c'est une petite surprise qu'on vous a déjà. Chut, je n'en dirai vraiment pas plus cette fois-ci. Gros indice à mon avis. Mais moi je me rappelle pas de c'est quoi. C'est vrai? Ouais. Tant mieux. Ah la blague. Je sais pas c'est quoi. Et c'est du quoi coup, on okay. passe à la question du jour. Alors, moi j'ai une idée. Parce qu'en fait, on vous l'a pas montré, mais on a fait un petit crochet par Cultura après être allé voir un petit peu les inspirations pour des petits cadeaux de dernière minute. Oui. Et on a choisi des livres, du coup. Et moi ce qui m'intéressait, alors je vous les ai, oh là. Je vous les ai montrés, alors pas encore, mais peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fait. Je ne sais pas, peut-être que ce sera déjà fait, peut-être pas. Je compte vous montrer tout ça sur TikTok et peut-être Instagram. Et moi, j'ai choisi un livre qui se passe à la période des fêtes, une enquête en fait, qui se passe vraiment à Noël. Jen a choisi d'autres références, vous pourrez découvrir ça si vous allez nous regarder par là-bas, vers TikTok, Instagram, etc. Vers là-bas, oui, jusque là-bas. Ouais, là-bas. Là-bas, c'est Facebook. Ici, c'est voilà. YouTube. Là-bas, c'est les autres réseaux. Voilà. Et c'est pour ça. Je voulais savoir si vous lisiez un livre en ce moment.
Voilà. Dites-nous, ouais. Si vous êtes en plein dans une histoire, alors quel genre, du coup? Est-ce que c'est plutôt roman? Si vous avez des trucs policier, un peu en mode teen romance, pour moi. Ah oui, oui, oui. Que, voilà. La catégorie jeunes adultes en général. Ouais, c'est ça, avec un peu de romance. Cultura. C'est mignon, quoi. Voilà, est-ce que vous avez un livre du moment, là? Un livre que vous kiffez, que vous êtes en train de lire ou que vous venez de terminer, qui vous plaît grave? Et est-ce que vous avez des livres de Noël? Comme celui que j'ai trouvé, là, c'est une enquête, ouais, qui se passe vraiment à Noël, donc ambiance totale Noël, et je trouve ça plutôt cool. Je m'en retiens. Et si vous avez des livres qui parlent un peu d'enquête et tout, de crime, ouais, et tout. Jen, elle adore les enquêtes. Non, mais vraiment, après, moi, j'aime beaucoup lire tout ce qui est justement enquête. Mais en fait, j'ai l'impression que je suis dans l'enquête, et tu. Et j'aide les gens à avancer. Ah, d'accord. Bref. C'était tout pour la question du jour. Alors, en fait, ça faisait beaucoup de questions, du coup. Grave, j'en ai 6. Du coup, on arrive à la fin de ce vlogmas numéro 19. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao. Alors, celui qui se passe à la fête de Noël, là, il a l'air trop trop cool. Ah, ouais. T'as l'air rentré tes ongles. Vas-y. Mais tu sais que c'est la partie que je mets en noir et blanc, en fait. Bah, tu la mettras pas en noir et blanc. Alors, on laisse la couleur pour les ongles de Jen. Regardez-moi ça. Allez, ça suffit, allez. Non, regardez, regardez.